Aux portes des Hautes-Vosges, Étival-Clairefontaine est une petite ville de 2500 habitants. Renommée pour son industrie papetière, pour son abbaye et ses beaux paysages, la commune s'est néanmoins fait un nom dans le monde du tennis de table. Depuis quelques saisons, l'association stivalienne et raonnaise s'est tissée en Pro B. Cette année, le club a eu la chance d'accueillir Galia Dvorak. Originaire d'Ukraine, cette jeune joueuse espagnole de 26 ans a déjà disputé deux fois les Jeux Olympiques et possède une grande expérience. Classée parmi les 120 meilleures joueuses du monde, elle présente de sérieux atouts qui lui ont notamment permis de battre la numéro 9 mondiale cette saison. Contrairement à beaucoup de sports, certaines ligues de tennis de table autorisent les joueurs à évoluer dans deux championnats différents. C'est le cas de la France où les matchs ont lieu le mardi et de l'Espagne où ils se déroulent le samedi. Voici pourquoi Galia, en plus de jouer à Mataró, a eu la possibilité de venir jouer à Étival. Son recrutement n'est pas une première. Le club est en effet déjà parvenu à attirer des joueuses de renom par le passé. Malgré sa petite structure, le club a réussi à se maintenir au niveau professionnel et jouer d'une bonne réputation. Le fait que nos jeunes filles donnent une bonne image d'elles et de l'association au niveau national, une, voire international, parce qu'il y a quand même des joueuses, Rosa, Émilie, là d'ailleurs, qui vont faire l'Open de France, qui jouent au niveau international, il y a eu Laura avant, voilà, qui sur le plan humain donne une bonne image. La stabilité, ça nous permet d'avoir aussi un réseau aujourd'hui qu'on maîtrise pas trop mal et une facilité de pouvoir faire venir ces gens-là, oui. Une des particularités du club est d'accueillir une très large majorité de filles. Ce sont d'ailleurs elles qui ont mené Étival en professionnel. Des joueuses comme Galia doivent à coup sûr faire naître des vocations. De par sa gentillesse et sa disponibilité, elle est un modèle pour les jeunes. Le club possède un atout important, la proximité. Tout le monde se connaît, l'aspect humain est très fort et il y a une grande cohésion. C'est sans aucun doute ce qui a poussé Galia à s'engager avec Étival. Ellos no me conocían a mí, yo no los conocía a ellos y desde el principio me he sentido en casa. La verdad, el público, la gente, el entrenador, todos me han tratado fantástico. Estoy muy contenta con mis compañeras de equipo. La verdad es que es algo que siempre dices, ¿no? Mi club está muy bien y eso. Pero lo digo de verdad, de todo corazón, que soy muy feliz aquí. Me tratan muy bien. Et ça vient déjà de la personne que tu rencontres, parce qu'elle a une très bonne éducation, pour maintenant partager pas mal de discussions avec elle, ça vient de là. Et puis effectivement, très vite, le premier jour où elle est arrivée, le lundi, il y avait les enfants, elle a vu les entraînements de club, ils sont allés à ses côtés pour essayer de déjà dire bonjour, hein, ça veut dire voilà, hello en anglais, voilà. Il y avait une forme d'intimidation, mais pour les jeunes, comme pour moi-même, comme pour les cadres, et elle dégage quelque chose à travers son comportement en match qui fait que très très vite, le lendemain, il y avait encore une séance d'autres gamins et nettement plus jeunes, là, des 8-10 ans. Donc elle a très très vite rencontré une soixantaine de personnes de l'association, parents, enfants, dirigeants. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de parler argent pour argent dans une association comme la nôtre, parce que ça la mettrait vraiment, à mon avis, en péril. Et je demande très rapidement maintenant, avec un peu d'expérience, encore plus maintenant que hier, leur volonté de s'impliquer, outre le match du mardi soir, un petit peu avec nous, quoi. Et c'est ce que Galia fait, ça veut dire qu'elle participe à la vie du club, elle reste quelques jours, elle joue avec les jeunes. Et il ne faut pas dépasser certaines limites, je pense, au niveau financier. Il faut faire partager les valeurs de l'association sur lesquelles nous, on tient fortement. Ça veut dire la solidarité entre tous, la jeunesse, la formation. De ce côté-là, cette année, on est heureux. Le tennis de table féminin n'est pas encore très reconnu et il n'est pas forcément facile d'en vivre. Voilà pourquoi dans ce sport, certains sportifs disputent deux championnats différents. Grâce à cela et aux sélections en équipe nationale espagnole, Galia parvient à vivre de son sport. Yo tengo la suerte de que yo sí, ¿no? A ver, no es una cosa normal. En España no hay muchas mujeres que se ganen la vida con el tenis de mesa. En hombres es un poco más fácil porque hay más dinero. Pero en chicas yo tengo la suerte de que jugando en mi club de España, luego jugando en este club y luego compitiendo con la selección nacional, que a veces tenemos ayuda del Comité Olímpico y todo esto, sí que puedo vivir del tenis de mesa, pero no es un caso un poco excepcional. Hay muy poca gente que pueda hacer esto. Y además ganas dinero, pero no es para toda la vida. El día que te retiras, tienes que buscar algo. Galia est avant tout une passionnée et elle vit pour le tennis de table, même si elle a un emploi du temps très chargé. Todas las semanas son diferentes. Las semanas que tengo partido aquí en Étival, normalmente entreno el domingo anterior en España. Vengo aquí el lunes, entreno el lunes por la tarde, entreno el martes por la mañana, juego el martes por la tarde. Vuelvo el miércoles. El miércoles normalmente descanso un poco porque llego cansada. Y en España entreno el jueves, el viernes y tengo partido el sábado.
Lors de la 13e journée de championnat, Etival reçoit Échirolles. Pour Galia, c'est l'occasion de retrouver Svetlana Baktina Gaïdoukova, sa partenaire à Mataro. Elle est aussi venue jouer en France. Les deux joueuses qui se connaissent bien s'affrontent lors du premier match. Chaque équipe se compose de 3 joueuses qui s'affrontent à tour de rôle. L'équipe qui parvient à gagner 4 matchs gagne la rencontre. Il y a 6 matchs maximum et donc égalité si chaque équipe en remporte 3. If 10-10-9-9, perhaps one long middle back end. Okay, one long. Because she play all the ball. Okay, allez, ciao. Après avoir concédé le premier set, Galia remporte les 3 suivants et lance de la meilleure manière son équipe. Pour son deuxième match, Galia ne fait pas de cadeau à Marine Zanardi et s'impose 3-7-0. Grâce à elle, Etival prend l'avantage 3-2 avant le dernier match. I like this kind of slow players, that so it was very much tactic, but it was good for me. Now I'm in one moment of my season that I feel a lot of confidence. So I know that if I do the things correct tactically, I should win. And it actually happened, so I did a good job, but it was just because I had a lot of confidence in myself. Finalement, grâce à la victoire d'Emilie Jaffeux, Etival l'emporte 4-2. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, l'environnement change radicalement. Les forêts champêtres sont remplacées par des palmiers, les vastes collines par des immeubles et le climat vosgien parfois rugueux par un air doux. Nous sommes à Barcelone, capitale de la Catalogne. Mais c'est à Mataró, une petite ville périphérique, que nous retrouvons Galia. Le contraste est fort avec Etival. I'm living here already. I would say I think 15 years I'm living in this town, so it's basically my hometown and it's where I grew up and where I learned to play table tennis. À première vue, rien ne laisse présager que ce complexe sportif abrite un club de tennis de table comportant 2 équipes professionnelles. Mais au mur, quelques photos affichent avec fierté la belle réussite de Galia. I totally feel that here is my home, but it's like a mix of feelings because when I spend a lot of time here, I have the feeling that I want to travel and go somewhere because it's how all my life has been. Depuis son plus jeune âge, Galia pratique le tennis de table et à 13 ans, elle intègre l'équipe nationale espagnole. Son parcours a été influencé par celui de ses parents. Vladimir Dvorak, son père, a terminé 3e par équipe des championnats du monde avec l'URSS en 1989. Sa mère, ici à gauche, est une ancienne joueuse elle aussi. Elle est l'entraîneur du club de Mataró. Elle supervise les entraînements et garde toujours un œil sur Galia. Technique, rapidité et concentration sont les maîtres mots au tennis de table. Afin de s'habituer à plusieurs styles de jeu, Galia s'entraîne souvent avec des sparring partners différents. We practice many times, but not now, also before, a long time ago, and it's funny to play with that. It's a different game, but you can also learn a lot because different style. But she's playing with pimples, and then it means that you can also learn to play with pimples, and it's funny to play with her. Yeah, for me with him is very difficult because plus he plays very good against my style. He plays very good against pimples, so he plays very strong and very fast. And for me it's so difficult, but I enjoy it a lot. For me it's fantastic because I can practice with boys of very high level, and it's good for me to improve. Of course, France has many people who play table tennis, and it means that it has many leagues and many strong players. And in Spain, it's not so many people who's playing. Then the league is you have good players, but you have not so many quantity. It's the big difference between these leagues. Pour la 19e journée de championnat, Mataró accueille une équipe barcelonaise. Les deux équipes sont 3e du classement à égalité de points. Contrairement à Etival, ici le public vient avant tout voir jouer les garçons, qui jouent en même temps. Cela n'empêche pas Galia d'entamer de la meilleure des façons la rencontre en s'imposant 3-7-0.
mais les deux prochains matchs sont plus difficiles. Вижу запинаю. Очень много Вантинтин дает без вращения подачи. Не знаю, на нее особенно. Просто все, вот я просто вижу, она подскакивает. D'abord en double avec Svetlana, où elle s'incline 1-7-3. Puis en simple contre Wang Tingting, une ancienne joueuse de la sélection nationale chinoise, qui est tout simplement décourageante de facilité. Galia perd 3-7-0. In Spanish league, the double is the most important point. Normally, who wins the double wins. If we would have won double, then it would be 3-3. We knew that the key point is the double and we lost it, so it was a bit unlucky. Mataro s'incline 2-4, mais reste tout de même dans les premières places du classement. La verdad es que en general estoy contenta, ¿no? He ganado muchos partidos así un poco justos que estaba a punto de perder. Y luego también sí que es verdad que he perdido algunos partidos que estoy un poco decepcionada, pero así es el deporte, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes, pero creo que la línea general y en total estoy jugando a un buen nivel, esta es una buena temporada y tanto aquí en Pro B como los campeonatos internacionales que he jugado y en España, creo que estoy a un buen nivel y mejorando poco a poco. Malgré son attachement au club d'Étival Raon, Galia a fait le choix de quitter le club la saison prochaine et d'aller jouer en Pro A pour élever encore son niveau de jeu. Son professionnalisme, sa gentillesse et sa disponibilité auront marqué le club. Qu'il s'agisse des dirigeants, des joueuses ou encore des supporters, tous auront à cœur de voir briller cette belle ambassadrice du tennis de table et du sport en général. Tengo planeado seguir jugando en España, seguir jugando en Francia porque me ha gustado mucho la experiencia y bueno, pensar también en individual de clasificarme a Río de Janeiro a los Juegos Olímpicos y todo esto de momento espero que siga igual o mejor.